Salut les passionnés de catch, je suis très content de vous retrouver pour la première semaine d'Euro. On va pas perdre de temps et je vous laisse avec les entrées. On accueille Rick Books. Et son adversaire du soir, le nouveau champion de la WWE. C'est parti pour le premier combat de Cody Rhodes avec son titre de champion. Ok, Rick Books qui attaque directement. Suplex. Alors, on n'a pas de combat pour Roman Reigns ce soir. Ce soir, il y aura le tournoi d'Euro qui continue. Ce match-là et le début d'un nouveau tournoi qui commence. Pour les qualifications de Money in the Bank à la fin de ce mois-ci. Ok, Bigfoot. Rick Books qui domine ce début de match avec cette magnifique moustache. Ok, on s'en prend aux jambes du champion. Allez, retour de Cody. Petit coup de poing dans la mâchoire. Et on le jette sur la troisième corde avec une guillotine. Bon, j'espère que Cody fera un bon champion quand même, parce que simplement deux. On s'en prend à la jambe du guitariste. Oh,
Ça y est, Cody a décidé d'en finir. Cutter. Enfin, pour moi, ça a l'air d'être un cutter. Ou simplement deux. Est-ce qu'il va en terminer? Non. On envoie Boobs dans les cordes. Petit trou du champion. Suplex. Descente du coude dans les lombaires. Ok, on amène Cody. Bon là, un petit peu ambitieux là. Oh, ça y est, on est parti pour le crossroads. Attention au rope break. Je pense que là, normalement, ça devrait être terminé. Première victoire du champion depuis l'obtention de son titre. Cody qui récupère son titre. Oh, Roman Reigns n'est pas content de cette victoire. Celebration has just been cut short. The thing about being champion is there's always a target on your back. Coup de ceinture directement dans le front du champion. Roman Reigns fait passer un énorme message. On enchaîne tout de suite avec le deuxième combat. Ok, donc là on est sur le deuxième match de qualification pour le tournoi en équipe pour le titre de Raw. Je rappelle le premier combat qu'il y a eu, c'était Kevin et Sami contre Street Profit. Match remporté par Kevin et Sami. Alors qui ils iront affronter? Los Lotarios avec Angel et Humberto ou Otis et Chad Gable? Réponse en fin de combat. Together they work like a well-oiled machine.
espèce de rock bottom, je sais pas trop comment ça s'appelle. Entrée d'Angel. Très bel enchaînement de Otis. Angel qui s'en prend au coude de notre ami Otis et on l'envoie à l'extérieur du ring. On avance un petit peu. Retour de Humberto sur le ring contre Otis. Tentative de tomber. On va aller chercher le changement avec Chad Gable. On envoie Chad directement sur Humberto. Saut carpé de Humberto, mais pas assez rapide. Dragon Suplex. Entrée de Angel. Un petit peu trop tôt. DDT. Magnifique. On renvoie Otis sur le ring. Hurricane Rana. Coup de la corde à linge. Otis domine le combat quand même. Il est au-dessus du lot. On renvoie Chad Gable sur le ring. On tente le coup de pied dans la face. Magnifique. Chiche. Chiche, please. Ouais, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Qui brise les reins de Chad Gable. DLT. Powerbomb. On avance un petit peu dans le combat. Petit neckbreaker de notre ami Gable. On met Humberto sur les épaules. Et on vient l'écraser sur le coin du ring. Descente du coude. Beaucoup de changements entre Otis et Gable. Suplex arrière. On enchaîne avec une deuxième. Et on finit sur le hat-trick. À la Guerrero. Est-ce que ça va suffire? Non. Retour de Angel. Énorme ATMI. Oh, alléluia kick. Bon, on n'est pas avec avec notre ami Sammy. Est-ce qu'on tente le tomber? Simplement un. Chad Gable et Otis qui dominent le combat, il n'y a pas photo. Énorme dropkick dans le dos. Powerbomb, on écrase Chad Gable.
Ok, on fait entrer Humberto. Encore un Hurricanrana. Shooting Star Press. On se projette par-dessus les troisièmes cordes qui surprend Chad Gable. On avance beaucoup dans ce combat. Combat très très long, je ne vais pas vous mentir. On revoit Gable sur le ring. Entrée de Otis. Magnifique. Ah bah dites-moi dans les commentaires comment s'appelle cette prise. J'en ai aucune idée. Mais c'est magnifique. Est-ce que ça va suffire? Non, simplement deux. Otis est revenu sur le ring. Est-ce qu'Humberto va en finir? On dirait bien que oui. Moonsault. Chad Gable vient pas aider son collègue. Non, ce sera pas suffisant. Entrée d'Angel. On explose Otis. À mon avis, ça suffit. Non. Oh. Oh, Gable s'est trompé d'adversaire. On a nos deuxièmes qualifiés. On va enchaîner avec le troisième et dernier match de ce soir. Un match à trois. On accueille tout de suite Matt Riddle. Et son premier adversaire. Et le dernier combattant de ce match. I see this.
On est parti pour ce premier match de qualification pour le Money in the Bank. Alors pour le pay-per-view Money in the Bank, il y aura un match pour la mallette où il y aura 3 catcheurs de SmackDown, 3 catcheurs de Raw. Ce sera un 6-man ladder match. Et il y aura un autre ladder match, ce sera pour les la division féminine. Donc Solo Sikoa est bien à Raw avec le Tribal Chief, contrairement à ses frères les Uso. On brise le coup de Matt Riddle. German Suplex. Dropkick directement dans la face. Énorme coup de genou. Matt Riddle et Solo Sikoa. On envoie Solo Sikoa par-dessus les épaules. Ok, Taylor Breeze qui s'en prend à Solo Sikoa. Oh, énorme superplex. Taylor Breeze dans le coin. Ah, Solo Sikoa qui sort le Kendo Tornado DDT. Qui sort un Kendo Stick. Ok, on tente de briser le bras de Taylor Breeze. Guillotine sur Solo Sikoa. Spinebuster. Samoan Drop sur Matt Riddle. Ça se relève rapidement. Ok, on emmène Matt Riddle sur les cordes. Il récupère le Kendo. Oh, énorme coup de Kendo. Deuxième. Solo Sikoa qui est pas trop mal dans ce combat pour l'instant. Oh, le super kick. On essaie d'affaiblir le bras de Matt Riddle. Tentative de tomber, ce sera pas suffisant. Ah, Solo, il aime bien le Kendo. Chacun à leur tour. Scissor kick. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si je me trompe sur les noms de prise. Je suis très loin d'être irréprochable. Oh, est-ce que c'est terminé? Est-ce que c'est... Non. Taylor Breeze se relève. Et vient contrer le tombé. On va essayer de soumettre Taylor. Mais Solo est encore présent. Take down! On est à l'UFC là. Et c'est suffisant, Matt Riddle est le premier qualifié pour le Money in the Bank. Sympa. L'homme à la trottinette. Voilà les amis, on se retrouve pour clôturer ce show de Raw avec une victoire de Matt Riddle pour une qualification pour le Money in the Bank.
J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, vous me laissez un petit message, un petit pouce bleu. Ceux qui feront ça, je vous envoie un énorme. Thank you. You're welcome. Oh, thank you. You're welcome. Oh, thank you. Sinon. You look like an idiot. Shush. Shush. Please.